Qui pourrait nous faire sourire.
Ça nous a permis aussi peut-être d'apprendre à vivre ensemble. Ça, c'est un cadeau extraordinaire. Ça nous a permis de vivre les mêmes événements ensemble. Alors, c'était pas une école riche. Il fallait marcher pour se rendre à l'école. On avait pris le bus qui venait nous ramasser à la porte. Alors, tout ça, c'est quand même, ça a de la valeur. Ce sont ces choses-là que nous voulons nous rappeler. Ce sont des retrouvailles de personnes, mais aussi des retrouvailles d'événements, des retrouvailles de façons de vivre notre vie d'étudiant et d'étudiant. Alors vraiment, je remercie les personnes qui ont organisé ce rassemblement, ces retrouvailles. Alors ce sont des moments extrêmement riches que nous sommes appelés à vivre et à revivre. Maintenant, j'aimerais... Et pour tous ceux de nos familles,
communion avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils béni. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, animés d'une même foi, d'une même confiance, en ce jour de retrouvailles, nous avons sûrement raison de reprendre la prière de Jésus, de la faire nôtre, pour que nous puissions nous adresser comme membres de la grande famille de Dieu, nous adresser à notre Père du ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Amen.
Seigneur, en toi, une constante protection, ceux que tu as renouvelés par le plan du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter dans les lignes de l'éternel salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur, je te prie. Et avec votre esprit. Que Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Ok. Patricia va vous faire l'introduction du mot de bienvenue. Bien des années passées, il y avait cette petite madame ici qui était en classe. Puis elle s'assoyait toujours en arrière de la classe. Puis parce qu'elle ne pouvait pas chanter, l'enseignante lui a donné une petite activité à faire. Puis elle se disait très, très contente d'avoir eu ce petit mot de bienvenue à faire à toute la paroisse, à toutes les séances. Ça fait, on invite Marie Arsenault, Marie à Jacques Arsenault, à nous dire le mot de bienvenue. La maîtresse et les élèves m'envoient vous souhaiter la bienvenue, mais je suis bien trop petite pour vous faire un long discours comme les grands orateurs le font.
Je vous dirai seulement bienvenue, bienvenue, merci. De quoi ce qu'était l'école de Pinault, comment ça a commencé, comment est-ce que ça finit. C'était apparemment en 1934 que ça avait commencé, puis ça a été jusqu'en 1958. Puis des personnes à qui elle a demandé, puis corrigez-moi s'il y en a qui savent mieux, là. Apparemment que c'était l'école qui avait eu chez Charles Barriot, mais qui avait été aménagée puis transportée à l'école de Pinault. Puis apparemment, ça a pris un an et plus avant que ça se passe, là, parce qu'il y avait du tiraillage là, entre les parents hauts et les parents bas, puis pour s'entendre jusqu'à aller à l'école. Mais de toute façon, ça s'est réglé, puis en 1934, l'école de Pinault a ouvert. Puis là, ça a été pendant toutes ces années-là, jusqu'en 1958. Puis nous autres, là, les France de Vaux, on était proches de l'école. Puis en plus de ça, il y avait beaucoup des enseignants qui restaient chez nous. On a dit qu'on avait une affinité spéciale à propos de l'école. C'est quand l'école a été fermée, ben c'est mon frère Robert qui a décidé d'acheter l'école, puis le petit terrain de l'école. Puis Robert a converti ça en petite maison, puis il a demeuré là même 4-5 ans, je pense. Hein? Ça a été l'historique là, de la continuité de l'école. Puis après Robert, ça a été un de mes cousins, Odilon Johnson, qui était le garçon Matata Lixina, qui avait pris la maison, puis lui, il est tombé malade, puis ça a été comme abandonné, puis finalement, la maison a été vendue avec le terrain et tout ça. Puis là, il a défait l'école, puis ça a été la fin de l'école. À cette heure, à la place de l'école, il y a une belle petite maison en cèdre, je ne sais pas si vous avez vu, là, qui... c'est encore beau, c'est encore un beau coin. Puis encore des beaux arbres. Je disais à quelqu'un tantôt, je me rappelle, un de mes plus beaux souvenirs de l'école de Pinault. Nous autres, on restait proche de l'école, ça fait qu'on ne pouvait pas amener nos dîners. Il fallait s'en aller dîner chez nous pour aider ma mère à faire la vaisselle avant de revenir. Mais une fois par année, au printemps, il y avait la fête des arbres, qu'on appelait. Ça, c'était mort. Puis cette journée-là, on pouvait se faire un lunch, puis tout le monde mangeait à l'école. Puis on mangeait, il y avait un gros pain, là. On s'amenait des couvertures, puis tout le monde s'assied à terre. On faisait le grand ménage de tout autour de l'école, puis on mangeait sous le... Ça, c'est un de mes beaux souvenirs. Je ne sais pas si Patricia, as-tu des souvenirs, toi? Oui? Le même, à la fête des arbres, ils pouvaient amener le petit soeur, puis le petit frère. Puis moi, ben, j'ai commencé à y aller pas mal jeune, parce que je me rappelle, il m'amenait à l'école, puis il me mettait sur le fait du pupitre, là, puis là, il me faisait chanter. Puis je chantais, « Peine cruelle, que j'ai la peine ce soir. » Puis je chantais toute cette chanson-là, parce que c'était mes soeurs qui m'avaient appris ça, mes plus grandes soeurs qui m'avaient appris ça. Déjà, ça fait monde. OK, pour continuer notre activité, on avait pensé, on a la liste des familles ici. Ça fait, nous autres, on ne peut pas faire présenter toutes vos familles, mais on va nommer la liste, on va nommer des familles, puis on demanderait, si vous êtes d'accord, à un membre de chaque famille, qui se lève, puis qui nous introduise les membres de sa famille. Puis à mesure, vous vous lèverez, là, pour que ceux-là qui ne vous ont pas vu ou pas, qui ne se rappellent plus, ils vont savoir, ah, ben oui, elle, c'était la sœur à lui, puis l'autre, c'était... Ça fait, on va procéder de cette façon-là. Êtes-vous d'accord? OK. Et puis je commence là. OK, on commence avec la famille à Marcellin. C'était eux autres les plus loin du bout d'en bas. Ça fait, y a-t-il quelqu'un qui va nous introduire la famille à Marcella? Oui, bonjour. Carence.
OK, mais je suis clair un soiron, quand ça m'a salé un soiron, comme ils vous ont dit. Avec nous autres, je vais juste les nommer comme je les vois. Félicien, mon frère. Rosa, ma soeur. Aline, ma soeur. Azel, je sais pas ce qu'elle est. Elle est là, dans le coin. OK, on va continuer avec l'homme Azel, Eric. Francis Maillet. Oh, je suis là quand tu es à l'école. Ah bon, maman. Ah bon, maman, Georgina. OK. Il faut que j'en introduise un autre. Ma femme, Margaret Key. Qui nous a aidé beaucoup à faire avec ce site-là. Je vais vous dire, elle a fait beaucoup d'ouvrage. Merci beaucoup. Je ne me rappelle pas d'hier, voilà. On va me rappeler 50 ans passés. Merci beaucoup. Merci, Clarence. Ouais, pour continuer, quand on demandera à la famille, on vous demanderait aussi, même si les personnes ne sont pas présentes, si vous savez dans votre famille qu'il y en a un qui n'est pas ici à cause de maladie ou il y en a qui sont décédés, comme vous avez vu, on aimerait quand même que vous les mentionniez. Okay? Puis si vous voulez, vous pouvez faire ça de votre place. C'est bien que ça fera moins de va-et-vient de venir à chaque fois. OK? La famille à Romain Guimond. Venez ici. Veux-tu nous nommer tout ce qu'il y avait? Te rappelles-tu ce qu'il y avait? Et ben, chez Romain, il y avait René, il y avait aussi. Il y avait René, il y avait la Zoa. Hein? Ouais. Puis, ben, moi, j'ai été à l'école de Pinot 3 mois. C'est parce que j'allais à l'école de Centre-Acadie. Puis, quand j'étais en 8e année, de avril à juin, on n'avait pas de professeur. Ça fait que j'avais déménagé chez ma sœur Albertine, puis presque 6 000 ans qu'Abraham. Puis j'allais à l'école là pour finir mon année. Moi, je suis Jeanne Natchosé. Voilà. Merci, Jeanne. Et on demanderait à la famille de John Doiron. Un représentant de la famille de John Doiron. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. La famille de John Doiron. Non, il n'y a pas personne. La famille de Joe Cormier. Bon. Jésus-Christ, il faut donner les noms, j'ai pas fini. Et là, quand on arrive à la pénurie, ils ont tout été. Margaret, qui reste à Moncton. Emma, qui reste à Cadiville. Gérard, à Sacadiville. Alfredo, au village de Rishibouctou. Evelyne, la radoteuse de chez Diac. Lucien, il est décédé en 72. Joseph, qui était avant, il est décédé en 70. Fernand, décédé en 56. Antoine, qui est à Rogersville. Moi-même à Cadiville, Andrea qui reste à Québec, et Eva qui reste à Moncton. Je crois que je n'ai pas peur de manger. Merci, Alexis. OK, la famille de Rodolphe Doiron. OK, merci. La famille de Alonso Doiron. C'est Martin qui est ici. Il y avait Martin et il y avait Camille qui est décédée aussi. Hein? Merci. Okay, vas-y. La famille Ovila Doiron. Okay.
Il y avait la famille de Pierre Richard aussi. Je pense qu'il n'y a personne ici, mais de ce que je me rappelle, il y avait Gilberte et Irène. Puis Carmen. C'était les trois filles chez Pierre Richard. Edgar Douaron. Thérèse qui a enseigné à l'école de Pinot. Josepho est ici? Non, il est caché. Il est caché ici, oui. Il est là. Tu, Josepho faisait partie de la famille, maintenant qu'il est dehors. Josepho Douaron dans le coin. Non, c'est pas toi. C'est parce que t'as là que j'ai appris à l'éthique. Ah, ben lève-toi, pitié-eux. La famille a Antoine Douaron. Bravo, merci. Après ça, c'était la famille Abraham Gallon. Ben, je suis ici, je vais faire l'introduction. Nous autres, on a toute la famille a été à l'école à Pinot, de la plus vieille au plus jeune. On est tous ici à part de le plus jeune, Jean-Guy. Fait, il y a Fernand, Geneva, Geraldine. Hello! Maria, Hubert, Clarisse, Ronald, Janita, et moi-même, puis il y avait Jean-Guy qui ne pouvait pas nous joindre aujourd'hui. Ça fait, c'était une gang de filles, mais on est tous ici aujourd'hui. La prochaine famille, c'était chez Fred Galland. Pierre-Arthur, ici de Bonneau. Alors, nous autres, on n'était pas nombreux. Alors, les plus vieux à lire, les plus vieux, merci pour la prière. Livin Vautour. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille à Livin Vautour? Non. Y a-t-il quelqu'un qui sait? La seule qui a venu là, c'était Françoise. Les autres n'avaient pas venu à l'école. Il y avait Françoise Vautour. C'est moi qui les ai passés. Ouais. Ouais. Jérémy Pinault. Allô, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. La raison que ceux qui m'ont, la raison que je cite, c'est à cause qu'ils m'ont dit qu'il faut que je vienne. So, faut-il que je dise les deux familles
Le bourreau à papa puis le note, ou juste, pas? Juste les enfants qui ont été à l'école. Puis... Ben, mon père. Ben, les enfants, à Jérémy? Oui. OK, OK. Ça sera ma soeur, Rosalma, elle est décédée dans 71. Puis Zéla. Lève-toi. Lève-toi. Puis moi, Lucie. Puis René. Puis un autre frère, Lionel, qui n'est pas ici. Puis toutes les autres avant été à l'école à Chatham Head. Oh, OK. Donc, il m'a manqué beaucoup d'affaires. Merci. Merci. Merci, Lucie. OK. Il y a chez Zelma Pinot. Ça, c'est la famille à Jérémy. OK. Oui, ça, c'est mon frère Jérémy. Donc, l'école de Pinot même avait commencé en 34. En 34. C'est pas grâce. C'était la même école, puis c'était le même district. Oui. Merci, Marie-Rose. Ensuite, c'était la famille à William Richard. Merci Guy. Ben, ensuite, là, c'est la famille à France Dévaux. Oh. Qu'est-ce qu'ils ont? Pas qu'est-ce qu'ils ont. En tout cas, ben, moi j'étais la deuxième. C'est Robert qui est le plus vieux, qui a commencé les premiers pas à l'école de Pinot. Robert, ensuite c'était moi, Sylvie. Ensuite c'était Cécile. Pascal, là, là-bas, Cécile. Adrienne. O'Neill, puis Denise, une de mes sœurs qui est morte, elle, en 92. Puis ensuite, il y a Paul-Émile qui n'est pas ici aujourd'hui. C'est lui le plus jeune qui a fini à l'école de Pinot. C'est ça. Émile et sa femme doivent s'en aller. Ça fait avant qu'ils s'en aillent, on va vous présenter la famille à Jacques Arsenault. C'est toi qui fais ça, Émile? Ma soeur Rosa ici. Puis Arthur. Puis l'homme à Rosa. Je pense que c'est pas mal tout ce que j'ai aujourd'hui. Hein. Marie. Oh, Marie, on a dit elle aussi, ça. Ouais. Ah. Ça. Il y avait. Mon frère Louis, il était ici, oui. Les autres, ben, il y en a beaucoup décédés. Ouais. Jusqu'à Arthur, lui. Pardon? Arthur, il en allait. Arthur, en allait. Ah. C'est ça, moi, c'est vous. Je suis fier de tous vous avoir vu bête. Puis, ça se pourrait qu'on vienne faire un tour plus tard. Ce soir, t'es là, ça va, ce soir aussi. Hey, Émile, je peux-tu te demander de quoi? Oui. Joues-tu encore du violon? Si je t'ai dit que je jouais du violon. Te rappelles-tu les vendredis après-midi? C'est pour ça qu'on décolle, là. Ah, oh, ben, Émile! Allez, arrêtons! Ah! Ok, ben, Émile, tu peux venir plus tard. Ouais! Tu joues du violon. On est venu de Victoria, la Colombie-Britannique. Pour cette occasion,
Et vraiment, c'était... Oh, c'est incroyable. Tout le monde qu'on a rencontré, c'était so much fun. Puis là, on s'en va chez Riex, ça fait bye and thank you. Bye, Rosa. Je ne peux pas dire à votre Rosa s'en aller. Ah. C'est comique, hein? Quand on est enfant à l'école de Pinot, on était tous des petits jeunes, hein? On grandissait. Puis je disais ça à Rosa, puis j'ai dit ça à plusieurs personnes déjà. Je me rappelle, moi, quand j'étais petite de la petite classe, mais Rosa était plus vieille que moi, c'est pas elle était de la plus grande classe. Mais Rosa à Jacques, puis André à Jacques-Cormier, moi, c'était mes idoles. Quand je les voyais, je disais tout le temps, oh, les pareilles belles filles. Puis moi, je disais, quand je serai grande, je vais être belle comme eux autres. Puis je les trouvais vaillantes. Puis quand Rosa a fini l'école, elle a été travailler chez Ferdinand Duero au magasin. Il y en a qui se rappellent, je suis sûre. Hein? Puis à toutes les fois que j'allais là, j'arrivais chez nous, puis je disais, elle est belle, hein, Rosa. Puis regarde, après tant d'années, elle est encore belle. Ah! La famille Alphonse Doiron. Alphonse, elle est récente, hein? Oh. Alphonse. Ah, il y a la femme. La femme, elle, elle va, elle est OK, merci Elba. Mais là, tu nous as présenté la famille de Frédéric Cassie, là, hein? Oui, oui, alors. OK? Oui. Oui, c'est parce que là, c'est OK parce que vous étiez les prochains, je pense. Mais on parlait de la famille Alphonse. Chez vous, Robert, as-tu venu à l'école de Pinot? Maria. Puis, Thérèse. Thérèse. Lina. Qui? Lina. Lina, OK. OK. Ça va là. OK. Merci, Elba. Il y en a peut-être qui pensent qu'on les a oubliés, là, parce qu'on a passé par-dessus les maisons, là, mais on vous aura plus tard. Là. La prochaine famille, c'est celle-là, Larry Doiron. Donald. Qu'est-ce qu'il va nous présenter, là, la famille Rita? Ça prend une femme pour faire ça, Rita. Une famille de 13, aurait aimé de venir, mais qu'il est assez gravement malade. Là. La famille à Dan Gould. Moi, je suis Théophile Doiron. Il a parlé de ça. Dan Gould. Go figure. OK, on va commencer par la plus vieille. Il y avait Modeste qui est morte à l'âge de 15 ans. Ensuite, il y a Mini. Il y a Urban qui est à la porte une seconde. Puis Ulysse qui n'est pas ici. René qui est mort 2 ans passés. Moi, je suis ensuite. Puis Alcide qui est ici, là. Lucina. Julie, OK. Je te voyais pas. Ensuite, Lucina, puis Steve, qui est dans la porte, là.
puis Auguste qui était en Ontario, puis Lionel qui est ici. Je pense que je n'ai pas manqué, je pense. Merci, Théophile. OK, là, on est rendu à la famille à Fidèle Légère. Fidèle à Bastia. Ben, les autres, on avait les trois plus vieux sont pas ici. Il y a Jean, puis Emma, puis Firmin, ils sont pas ici. Ben, le restant est ici, à part de, il y a Marc et Maud, puis Éloi, puis c'est Nina. Puis on est, il y a Jeanne, puis Carmel, puis Élise, puis Abel, puis moi. Merci, Roger. Ensuite, c'est la famille à Joseph Arsenault, Joseph à Jacques. OK, moi, j'ai Janine à Joseph, à Jacques, à Philippe Arsenault. moi, j'ai du seul par ici parce que quand je m'ai mariée, deux ans après, mon père et ma mère ont mouvé aux États, Jacques, puis Jacques Arsenault, puis Exelda Douairon, Exelda Aléré. Puis, ils ont tous eu leur famille, ils ont mené leur famille. Il y a tout jeune ce temps-là parce qu'ils sont aux États. Ça fait qu'ils sont tous mariés par là. Puis, ça fait que j'ai resté comme tout seul par ici avec mon autre famille. Là. Les Douairons, c'est ma famille. C'est comme mes frères et sœurs. So, c'est à peu près tout. Quel est écrit qui est venu à l'école de Pinot? Léo, après moi, puis Ernest, Camille, Laurie, puis Florine. J'ai 9 frères. Ben, Florine, elle a juste été à l'école de Pinot. Pour 6 mois, après, ils ont été transférés, je pense, c'est à l'école centrale. Après ça, les plus jeunes, ben, ils étaient trop jeunes. Surtout qu'ils ont été aux États, ils étaient trop jeunes pour venir à l'école par ici. Puis là, mon troisième frère, Camille, il n'est pas bien, il est beaucoup malade. Il reste à Palm Beach, Florida. So, on va prier pour lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Janine. OK, la famille à Éloi Légère, à cette heure. Janine, c'est pas quoi, je l'ai vu, là. Moi, j'ai décédé complètement. Puis, j'ai tenu mes gants, t'as l'écoute. Ils sont pas ici, Robert, qui est ici, tantôt. Robert, je l'ai dit, parce que lui aussi, ça parle. OK. Fait qu'il deviendrait bien. OK. OK. Merci, Janine. Ensuite, c'est la famille à Placide, qui Gérard Moi, j'ai quoi dire pour la famille à Placide. Hey, Clarisse, là, c'est sa fête aujourd'hui. Oh! Clarisse, oui. Lève-toi! Moi, si je pouvais chanter, je chantais. Ah ben, on y chante, bonne fête! J'ai pas mon honneur. Hey! Je chante pour toi. Jeanne! Ma chère Clarisse, c'est à ton tour de te laisser. Mon cher Clarisse, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Eh bien, la famille à Jean, Thaddée, Arsenault. Ah, ils sont tous. OK, ils sont tous. Oui, eux autres, il y avait juste Jean, si vous vous rappelez, hein, sur Jean Thaddée. Malheureusement, Jean est décédé, puis je. Anna et Jean-Alain aussi sont décédés. Oui, c'est ça. Ouais. La famille à Alcim Deveau.
Mais clairement, là, il y a juste vous autres qui êtes venus à l'école de Pinot quand même, hein? Ah, il y a Gérald, Liban, Thérèse, Dorca, c'est vrai. Vous étiez une grosse gang aussi, là. Hein? Ah oui. Merci. C'est la fête à Alice demain. OK, Alice? Ma chère Alice, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Alice, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Hé, pépé, hooray! Je dirais pas que l'âge qu'Alice va avoir, parce que je crois qu'elle est la même âge comme moi. Oui? Ensuite, c'est la famille à Menoc Marcel Johnson. Puis Jimmy, c'est là. Merci, Jimmy. Ensuite, il y avait la famille de Armand Arsenault. Mais je crois qu'il y a... Y a-t-il encore quelqu'un, Lucina, c'est tout? Puis Maria, OK. Moi, je m'appelle pas du tout. Ouais. OK. Ouais. OK. OK. Merci. OK. La famille Livin Comon. Il y a Aurel Comon, puis c'est celle qui m'engrait. Puis c'est toi qui es venu à l'école de Canivet. Puis il doit, il est mort. Malgré, je l'ai quitté tantôt. Allez, là, ça va derrière. C'était Marguerite à Lucien. Marguerite à Lucien Cormier. Yeah. Ouais. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup. Merci, hein. Oui. Ensuite, c'est la famille à Livin Vautour. C'est-tu ici? Non, il n'y a pas personne. Il y avait seulement Françoise, puis elle est décédée. OK. Ouais. Il y avait seulement Françoise, apparemment, qui est venue à l'école de Pinot, mais elle est décédée. Puis ensuite, c'était la famille à Idonia Charlon. Mais là, pareil, je pense qu'il y avait juste Robert, hein? Puis Robert est décédé une couple d'années passées aussi, là. Oui, parce que je crois que Maria... Il y avait Maria aussi. Ouais, ben, oh, il y avait Maria, c'est vrai. Je me demande. Elle devait avoir une Maria n'a pas été à l'école. Ah, je ne dit que Maria n'avait pas venu à l'école à Cadillac, à Pinot. Elle avait déjà fini. Ouais. OK. Il y a seulement Robert. Y a-t-il quelqu'un ici qui est présent? Que... Y avait-il quoi, Thérèse? Ben oui. Tu as pas nommé ton autre famille. Tu as nommé la famille à Edgar, mais tu n'as pas nommé. Oui. Ah, Léo. Robert, tu n'y as pas toi là. Robert. Robert Wisman. Oui. Léo, pas il y a un peu de camp. Monique. Monique est là. Je
Merci. Il y en a-t-il d'autres, là? C'est ça que j'allais demander. Il y en a-t-il d'autres, des familles qu'on n'a pas? La famille à Freddy Robichaud. C'est vrai. Oh. Qui restait dans votre ancienne maison, hein? À ton pire, là. C'est vrai. C'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y en a-t-il d'autres que vous pouvez penser, là? Que... Ah oui, c'est vrai. Ben, dis-le. La famille à Moïse Richard. Ça se pourrait, hein?